Y'a le détail dans l'appartement, BST dans le bâtiment. J'vends la muerte sans sentiment. J'suis dans le Banks toute l'année, dans le Banks toute l'année. Y'a le détail dans l'appartement, BST dans le. Dans la vie. Ah mais ouais, a... avec eux. Ah bon. Attends. C'est comme non, ça. Mika, t'es un crack. Tu non, non, mais je veux mon numéro 6 sûr. Tu veux Claude Makélélé. Appelle Kaldi. Appelle Kaldi. Laissez Kaldi dormir, il a cours demain. Voilà un match. Voilà. Vas-y, c'est bon. Tonton Galsen est le numéro 6 le plus fort que j'ai jamais vu de ma vie dans Club Pro. Il est trop fort au jeu, c'est incroyable. Parce qu'il y a Tommy Deschamps là qui va parler. Il va faire son 6. Ouais, alors. Arrête de me chèvre, s'il te plaît, parce que voilà, je vais te claquer, ils vont tous m'insulter dans ton chat. On est du coup, il y a personne en défense. Du coup, c'est 6, MC, les 2 MC, okay. Le MOC, les 2 écoutez, écoutez bien. Vas-y, alors, je reviens. Vas-y, mets la compo, Mika. Oh, non, c'est attends, j'arrive. J'arrive. Ah, je l'ai trouvé la vidéo. Je te le dis après, je te l'envoie. Voilà, c'était eux avec cette musique. C'est le meilleur truc à faire. Faudrait que tu m'apprennes à faire des kick-off aussi. Mais mec, c'est tellement facile. Genre vraiment en... Ah. Ah bah merde. Il s'est envolé. Putain. Mec, tu me mets la pression. Au centre. Ah, j'y suis. Je suis un peu loin. Oh. Oh mais je peux pas m'attendre à ce qu'il la loupe trois fois, mec. Ouais, c'est vrai. Tu perds tes passes. Les appels. T'as peut-être fait des faux appels. Ah, il s'est blessé en tirant le bouffon. Hors-jeu, Thomas, gaffe. Zip. Bon, ça, hors-jeu. Pourquoi il y a deux défenseurs? J'avais pas vu qu'il y avait le défenseur. Je suis derrière toi, Mika. Oh, wesh. Là. La passe. Let's go! Une sélection! Un but! Oh le nombril! Mec, on dirait les céréales au miel! C'est une prise jack! C'est les œillets pour protéger les feuilles dans les classeurs là. T'as vu le cerf que tu mets. J'aime bien un peu le futur très comme il se met tout ça. Je sais pas c'est lequel de futur le plus j'ai positionné parce que c'est comment ça que... Mais genre, tu vois bien. Tu vois le langage un peu ancien genre. Viking et tout. Oh ça dégage. Oh mon dieu. Oh mon dieu. T'as pas vu? Regarde! Nice win! Ça c'est banal frère! Mais oui. Zarma il était chez lui, il a ouvert Spotify, il a dit bon, sur quel son je me vois niquer? T'as jamais fait de toute ta vie? Mais moi mec, moi je lance le monde Chico et je m'en bats les couilles! Attends, Elias, c'est quoi la musique la plus chelou sur laquelle t'es ken? Ça, une fois, bah, ouais, Freeze Corleone, je pense. Mais c'est pas trop bizarre, ça. Voilà. C'est quoi, ça, j'ai déjà trouvé les paroles, je suis trop fort, voilà. C'est bon. C'est le mec le plus fou que je connais sur Discord, vraiment. Ok. Elle est fou l'option, RMX Gucci Louis Vuitton. Elle a des gros nichons, elle fait craquer des voyous et des gros cochons. Elle aime les grandes villes, Monaco. La suite. Attends, wesh. Attends. Monaco, Marbella, Chanel, Valentino, ou Marzo, Madina. Fais gaffe, elle a un gros calibre. Elle peut t'enlever ton âme. Théma, c'est un missile. Grosse fesse, My Wagnum. Allez, GG à toi pour le grade. Ah, sinon, une petite note là, parce que voilà, j'ai pas fait ça pour rien. 8 sur 10, ça. Wesh! Ouais. T'as vu tout l'argent qu'il y a dedans? Ouais, de ouf. Tiens, je compte, attends. Attends, mais là, il y a au moins 600 000 dollars. C'est jour de paye.
Regardez la plaque, regardez la plaque. C'est quoi la plaque? Et venez en bar d'ici. Mais prends la thune, frérot. Moi j'ai pris 150 000, moi. Moi j'ai pris 600 000. Mais pourquoi j'ai pris 150 000, moi? Demande-lui, il y a combien de... Ok. Mais attends, moi je peux pas prendre. C'est bon, on va faire le compte après, on a pris. Ouais. Montez ensemble sur la moto. Regarde, Bidu. Allez, monte. Go, Snow, go. Allez, go, Snow, go, on est les Snow Kids. Wouhou. Go, Gadgeto, Snow, go, dans ta mère. Go, Gadgeto, Snow, go, dans ta mère. Ils sont où? Ils sont où? Attends, je peux dire dans 2 secondes, mon petit chou. Attends, mais c'est eux devant, là? Ils bombardent autant? Non, c'était pas... Poisson, frère, ils m'ont baisé, wesh. Il a des yeux de ouf. Non, mais c'était terrible, j'ai essayé 2 fois et tout. Je me suis dit, mais attends, mais y'a un problème. Il a souri sur la deuxième pour voir si ça allait changer. Voilà, non, mais pas, non, non, j'ai pas, non. Tu vois, c'est lui, JL Tony. Je ne souriais même pas, c'est juste, ils m'ont tellement déformé mon visage que on dirait que je souris. Je souriais pas, frère. Oh, t'as une triple lèvre, elle est incroyable. C'est ta tête, Thomas, c'est comme ça, hein. Allez, va te faire foutre. Non, mais je me suis dit, ils vont me faire un truc clean, tu vois. Quoi? Oh, putain. Bah, moi, il y a une meuf, quand j'étais au lycée, dans le lycée juste à côté, c'était un lycée un peu de cathos, elle s'était coincée une canette de coca dans... Ah, super, ça. c'est ouais. Coca bien fraîche, chacal. Même moi, des fois, je me rentrais des balais et tout, et ça, des fois, quand ça ressortait, bah, il était un peu cassé, tu vois. Bah, moi, je connaissais une meuf, elle s'appelait... comment elle s'appelait, déjà? Je sais plus comment elle s'appelait, mais on lui avait donné un surnom. Elle s'appelait l'ouvre-boîte, et en gros, en soirée, elle venait tout le temps en jupe sans culotte, et en gros, c'était elle qui ouvrait les bières. En gros, elle se mettait un peu accroupie, Zama, genre comme ça, tu vois, elle se mettait comme ça, elle prenait les bières, et elle faisait comme ça, et avec sa chatte, elle décapsulait les bières, genre. Ouais, oui. Pète sa mère, ça. Non, c'est faux, c'est totalement faux. C'est faux, wesh. Tenez! Devant! Pour Thomas! Oui! Thomas! Allez! Thomas! Non! Non! Qui Never, ouais. Je sais même pas c'est qui, frère. Les gens ils me disent ouais, et... je veux duo avec des mecs, je les connais même pas. Ça me fume. Tu racontes.